Thank you.
Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à la salle André Renault à Braine-l'Alleud. Le quatrième match déjà de ce groupe I d'Eurocup qui mettra aux prises les Castors de Braine en jaune. Vous les voyez avec quelques minutes encore d'échauffement et les Allemandes en vert de Kelten. Petit récapitulatif, si vous le voulez bien, de ce groupe. Les London Lions sont en tête, 3 victoires en 3 matchs avec 6 points. Deuxième, les Castors de Braine, 5 points. Kelten est troisième avec 4 points et Barreiro et Lanterne Rouge avec 3 points. Mais vous l'aurez compris, le match de ce soir pourrait et sera sans doute déjà décisif. En cas de victoire, les Castors de Braine seraient assurés de terminer à la deuxième place et donc assurés également de sortir de ce groupe. Petit rappel peut-être également sur les différents résultats de ce groupe. Les Castors, on se rappelle, qui sont allés l'emporter chez les Allemands de Kelten 74-80 avant de subir la loi assez logique des favorites du groupe London Lions 76-87. Les Castors qui ont la semaine passée, sans bien jouer, gagné au Portugal à Barreira 63-71. Alors pour un petit comparatif, London Lions est allé largement l'emporter à Kelten 50-93. On rappelle que les Castors ne s'étaient inclinés que de 11 points par contre face à ces mêmes London Lions. Et puis les Castors qui sont en forme, évidemment au niveau du championnat de Belgique, l'opposition n'est pas la même, mais n'empêche, l'Humen Castor, c'était samedi dernier, les Brennoises qui l'ont emporté largement 50-105. On notera également que dans la soirée à 20h, il y a un certain London Barreira qu'on suivra évidemment avec attention, même si on s'en doute, les londoniennes devraient l'emporter sans beaucoup de difficultés. Alors côté brennois, une inconnue, c'est Marie Vervat, blessée au genou. On a cru un moment que c'était les ligaments croisés, puis le ménisque, et puis apparemment ce ne serait qu'un œdème au genou, enfin que entre guillemets. N'empêche que Marie Vervat est bien dans le groupe. Alors est-ce qu'elle sera alignée? Si oui, combien de minutes jouera-t-elle? C'est un petit peu l'inconnu. De l'autre côté, Alexandra Wilk, la capitaine allemande, avait au match aller inscrit 29 points. C'est clair qu'il faudra contenir Alexandra Wilk pour espérer l'emporter. Voilà, le match démarre dans 20 secondes. Castors Braine, Kelten avec peut-être, et on l'espère, au bout de ces 4 cartons, une qualification pour les Castors Braine, alors qu'il resterait encore 2 matchs à disputer. Mais bien sûr, n'allons pas trop vite en besogne. Voilà, pour les Castors, Nasha Klaasens, Saxton, la capitaine Lindström, Vucetic, et je pense que c'est Inge Joris pour former le 11 de base. Oui, le 99, c'est bien Inge Joris, en effet. Voilà. Côté allemand, vous voyez Alexandra Wilk masquée, résultat d'une blessure. Attention que ce ne soit pas la marqueuse masquée de cette soirée, la fameuse numéro 3. Vous dire aussi que la salle André Renault est particulièrement bien garnie en ce 1er novembre après-midi, heure inhabituelle mais qui n'a manifestement pas empêché le public brennois d'être là. Voilà, c'est parti. Inge Joris au ballon pour Saxton. Vucetic, Saxton. Ah non, c'était bien essayé sous l'anneau. Les Allemandes qui peuvent repartir. Les Toranta qui récupère le ballon à la finlandaise. Voilà, 3 points pour la française Rumi. 0-3 pour les Allemandes. Attention, ne pas laisser tirer trop facilement. Saxton, Lindström qui se retourne, qui va à l'anneau. Et 2 points de la capitaine brennoise. 2-3. Les Toranta, pardon.
la meneuse de jeu. Voilà, Alexandra Wilke dont je vous parlais, dont il faudra se méfier. Les Toranda en relais avec Wilke pour un 3 points. Non, c'est raté, c'est récupéré par Saxon Vucetic. Oui, qui trouve Klaasens. C'est bien joué ça, Nasha Klaasens qui avait déjà été auteur d'un excellent match face au London. 2 points, 4-3 pour le Castorbren. Les Toranta avec devant elle Vucetic. On empêche les Allemands de faire le jeu. Rumi, la Française. Encore Rumi qui va devoir forcer le shot à 3 points. Voilà, c'est bien attaqué. On empêche véritablement les Allemands de s'approcher trop près de la raquette. Vucetic dans ses œuvres. Et excellent ça, de beaux points de Vucetic. 6-3. Les Toranta. Rumi. Un pied et la rentrée sera pour Sarah Rumi. Non, c'est les Toranta qui vient faire la remise avec Vucetic devant elle. Alexandra Ville. Et là, c'est Klaasens qui l'empêche d'avoir son shot. Les Toranta. Oui, et c'est à nouveau un pied, effectivement, de Vucetic. Alexandra Ville. Les Toranta. Ville. Bien défendu. Non, c'était un tir de Cooper qui a touché l'anneau mais qui ne rentre pas. Inge Joris, là non plus, ça ne rentre pas. Et les Toranta qui peut repartir pour Carlton. Ça va vraiment d'un côté à l'autre. Un petit manque de précision. Les Toranta qui essaie le 3 points. C'est raté également. Saxton qui récupère. Vucetic qui demande à ses partenaires là d'écarter un petit peu le jeu. Et deux beaux points. Voilà, une très très belle entrée en matière de Vucetic, la numéro 23. 8-3 depuis 3 minutes de jeu. Très bon début des Castorbren. Les Toranta qui cherchent une solution qui n'en trouve pas pour l'instant. Ah oui, faute effectivement de Saxton qui a accroché Samantha Cooper. Et c'est les Toranta qui est derrière le ballon. Il y a vraiment des paires qui se sont formées là. Et Vucetic. Ah là, on a laissé toute seule Tavic. Mais c'est raté. Lindström qui peut repartir. Elle attend un petit peu de soutien. Elle va à l'anneau. Non, c'est récupéré à nouveau par Saxton. Et une faute. Je pense que c'est Cooper qui a fait la faute sur Saxton. Saxton, premier lancé franc pour les Castorbren. Le premier réussi, 9-3. Déjà un avantage intéressant, là, de 6 points d'avance pour les Castorbren. Il en reste encore un. Il est dedans aussi. 10-3, excellent début, je vous le disais. Cooper, les Toranta. Les Toranta à nouveau. Rumi qui essaye le tir de loin, non. Alexandra Vilk en retrait. Ah oui, beau mouvement pour le 3 points. Samantha Cooper qui n'était pas tenue là et qui à l'entrée des 3 points ne s'est pas privée évidemment. Saxton Lindström qui rentre dans le jeu. C'est bien joué de Lindström. Dommage, son layup était très très bien réussi. Alexandra Vilk. Attention de ne pas rater trop de points comme ça. Rumi, ouf, il voulait mieux que ça ne rentre pas. Inge Joris a tout enjambé là, dans le camp allemand. Vucetic. Inge Joris. Saxton. Voilà, c'est très bien joué. 12-6 et premier temps mort. Très très bonne entrée en matière. Rapide, efficace et puis... vraiment excellente sous l'anneau également en défense. Les Brennoises respectent à la lettre les consignes de Fred Dussard. 12-6. On arrive tout doucement
au milieu de ce premier carton. Et les champions d'Allemagne qui alternent, qui ne trouvent pas la solution pour l'instant, mais c'est vrai que c'est efficace devant, côté brennois, et puis derrière, on tient vraiment bien la baraque. Alexandra Wilk n'a pas encore réussi à marquer le moindre point. Et d'ailleurs, les 6 points, ce sont 2, 3 points, 1, 3 points de Cooper et un autre de Rumi. Il faudra donc faire attention au tir à distance, ne pas laisser tirer les Allemandes, manifestement à droite, à distance. Le même 5 de base pour les Brennoises, donc Saxton, Vucetic, Lindström, Nasha Klaasens et Inge Joris. La possession de balle est allemande. Alexandra Wilk avec Klaasens devant elle. Voilà. Bref, c'est bon, c'est une défense agressive. Vous le voyez, ben forcément, conséquence des pertes de balles côté allemand. Tout profit pour Brenn qui peut reprendre la possession du ballon et repartir par Vucetic et puis Inge Joris. Lindström, Saxton, on fait tourner. Nasha Klaasens, Inge Joris à nouveau. C'est bien joué ça. Dommage, c'est intercepté. Voilà. Rumi. Non, donc voilà, Rumi maintenant qui tente à 3 points et ça rentre. Attention à la Française, elle avait déjà très très bien joué au match aller. Deuxième 3 points de Sarah Rumi, 12-9 et donc 6 points marqués par Sarah Rumi depuis l'entame de la rencontre. Vucetic. Et Vucetic en réussite et en confiance, 14-9. Non, c'était un essai de Cooper, mais raté. C'est récupéré là par Inge Klaasen. Inge Joris, pardon, Vucetic. Joris, Vucetic. Joris, ça combine bien. Ça joue vite. C'est ce que le coach avait demandé. Saxton. Ah, dommage. Cooper. Lettoranda. Non, il n'y a aucune faute là. Klaasen, Vucetic. Oui, la vitesse des Brennoises qui fait mal côté allemand, qui n'arrive pas véritablement à contrer cette vitesse. La preuve, cette faute sur Vucetic. Alors que Vukovic a fait son entrée au jeu, là, côté brennois. Elle a remplacé, je pense... Saxton, c'est ça. Klaasen, Vucetic, Klaasen, Inge Joris. Non, il n'y a pas de faute là. Alexandra Wilk, Cooper à ses côtés. Elle préfère jouer avec Rumi. Cooper, la nouvelle venue, c'est raté. C'était l'américaine Adrienne Webb, plutôt. Vucetic qui a pu récupérer le ballon. Ah oui. Et Lindström accroché. Effectivement. Lindström accroché par Webb. Et de nouveau point pour Vucetic, 16-9. Alexandra Wilk. Ça c'est bien joué là. Webb qui va à l'anneau, mais non, ce n'est pas précis. Lindström, Vucetic. Klaasen. Ah, ça aurait fait du bien là. Non, c'est Vukovic. Alexandra Wilk, Alexandra Wilk. Aux 3 points, c'est raté et c'est récupéré. Bien récupéré en défense. Lindström.
Vucetic. Vukovic, Lindström, Inge Joris. Est-ce qu'elle va se retourner? Non, pour Lindström, c'est bien joué. Klaassen qui devrait tirer, c'est ce qu'elle fait. Ah non, c'est raté, dommage. Alexandra Wilk. Wilk qui cherche une solution, qui demande de bouger. Cooper. Bien bloqué là. Ah non. Et Lindström sifflé. On a eu l'impression d'ici, vu des tribunes, que c'était correct, mais l'arbitre estime qu'il y avait une intervention fautive de Lindström avec deux lancers francs pour Samantha Cooper. Le premier est réussi. 16-10. Et le deuxième aussi, 16-11. Inge Joris. Vucetic. Dessous. Vucetic. Joris. Lindström. Vukovic. C'est bien joué ça. Ah oui. Beau mouvement. Qui perturbe tout à fait la défense allemande. Et c'est faute sur Inge Joris qui se voit octroyer de lancer franc. Le premier dedans, 17-11. Il reste encore un lancer franc à Inge Joris. Et c'est transformé également, 17-11 à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes de la fin de ce premier quart-temps. Alexandra Wilk avec Vucetic devant elle. Sarah Roumi, la française. Wilk. Et c'est récupéré en deux temps pour Lindström. Joris. Vucetic. Vukovic. Qui se retourne et qui met ses deux premiers points. C'est bien joué de Vukovic. 20-11. Wilk. Roumi. Cooper, 3 points de Cooper. Attention à ces tirs à distance des Allemandes. Vucetic. Inge Joris. Vukovic. Ah oui. Une faute de Koskimis sur Vukovic. De lancer franc. Et côté allemand, on salue l'entrée au jeu d'Émilie Leblond. Vukovic. Premier lancé franc transformé, 21-14. Et le deuxième également, 22-14, à un peu plus d'une minute du terme, alors que la capitaine Wilk de sa place côté allemand à Lettoranda. Koskimis pour Webb. On cherche des solutions à côté allemand qu'on ne trouve pas pour l'instant. Sarah Roumi, attention, tir à distance. Cooper, et voilà, je le disais, attention à ces tirs à distance. Récupéré, Émilie Leblond. Voilà, ça aurait été beau sur le buzzer. Voilà, fin du premier quart-temps. 25-17 pour les Castor-Brenne qui ont vraiment fait 10 belles premières minutes. Attention, attention, simplement
au tir à distance des Allemandes. Beaucoup, beaucoup de 3 points réalisés et surtout rentrés par les Allemandes. N'empêche, 8 points d'avance après 10 minutes. Les Castor-Brenn maîtrisent le sujet. Thank you.
jeu numéro 11, Samantha Kubo.
Thank you.
Signori, c'è da spostare una palla targata Domodossola Firenze, 6-3-3. Ok, Domodossola Firenze.